ויהי איש אחד מצורעה, ממשפחת הדני. משפחת הדני פירושו לשבט דן. ושמו מנוח. ואשתו עקרה, ולא ילדה. אלא אין פעם, ושאת פעם את אסטריל, ז'אם לא פונטה. Donc c'est une vraie stérile. C'est pas une femme qui fait des fausses couches ou une chose pareille, elle a le yalala, là. On raconte les noms de l'homme. On nous dit quel était son nom à lui. On ne dit pas les noms de la femme. Si on est superficiel, on va dire bon, c'est comme ça. Chez eux, la femme n'a aucune importance. והנה היא בלוהרת רדף צדיק, א' עמוד א', אין סוגיה. והנה בלוהרת רדף צדיק, א' עמוד א', אין סוגיה. אמר רב חנן בר רבא אמר רב, אם היא דאברהם, לנוב למר דאברהם, המטלאי בת קרנבו. אימי דאמן, המטלאי בת עורבתי. אנחנו נדון איסי לנון דלמר דאברהם אבינו. אנחנו נדון מם לנון דלמר דאמן. וסימנך, תמא תמא טהור טהור. פירוש. אימי דאמן, זה המטלאי בת עורבתי. Courveti, c'est Orev. Orev, c'est les corbeaux. Les corbeaux, il est oftamé. Mais il est Aman, il est tamé, et Simano est tamé. Tandis qu'il a Mamo d'Abraham Avinu, il s'appelle Amatlaï Bat Karnevou. Et Karnevou, c'est Karnevo. Et Karim, c'est Tsun, des moutons, des petits bétails. Les petits bétails sont théoriques. Donc, comme ça, on ne va pas confondre. Les deux, ils s'appelaient Amatlaï. Mais, par contre, celle-là, elle est bat carnivou, et l'autre, ou carnivou, et celle-là, elle est bat urvati. Imei de David, Nitzvat bat Adael, je il s'appelle Nitzvat bat Adael, la mère de David. De nouveau, elle n'est pas dans le Tanakh, comme on ne connaît pas son nom de Tanakh. S'ils ont été écrits dans le Tanakh, on n'avait pas besoin de la soubière. Imei de Shimshon, et la mère de Shimshon, Tzlalfonite. La mère de Shimshon, elle porte le nom extraordinaire, Tzlalfonite. La mère de Arashbam, Imei de Shimshon, Mishum de Ayribei Kra Tuva. Parce qu'on a parlé beaucoup de cette femme. Alors il faut connaître son nom. ואחתי, אס הסר, לסר דה שימשון, נשיין. זאת אומרת, קוראים כאילו אין סר. אבל אין סר, לספל נשיין. נשיין, נון, שין, יוד, יוד, נון פינל. למי נפקא מינה? דילה גמרא, למי נפקא מינה? הכוס הסר דה שבוע. Répondre la Gemara, les Tchouvatamim. Mara Rashba, Shechoalim lanu, Yoter be'eilum et benashim acherot qui déprichitama. Donc, les gens qui sont les non-croyants, qui cherchent à nous embêter avec des questions, ils nous posent des questions particulièrement sur ces femmes. Rashbam il explique, on connaît les noms de la mère d'Yitzhak, la mère de Yaakov, on ne connaît pas les noms d'Avraham Avinu, donc les gens sont curieux de connaître les noms d'Avraham Avinu. Les noms de la mère d'Aman, ils n'intéressent personne en vérité, mais la Gemara l'a dit parce que s'il y a un parallèle intéressant d'Amatlaï bat Orveti, Amatlaï bat Karnevo, et la mère de David,
c'est de nouveau, parce qu'on connaît toujours les noms des mères de tous les Mélachim, sauf le nom de la mère de David. Et Madame Manoach, c'est normal, parce qu'on parle tel modèle, et on connaît le nom de son mari. Et quand même. Alors, les filles, je suis allé dans le Yoter Beïd ou Mibinashim Achirot qui déprécient, on a un Rajbam. Et nous, on les répond sans problème. Pourquoi? Parce qu'un Nevi masrou lanu b'alpe. Et c'est pour Rabbeinu Gershom, qui écoutez votre zekaha. Les tchouvat aminim, che yeidu veyakiru, che lo nichichad davar mitomidei chachamim. Il y a une importance qu'il est minime sage, qu'il est un chacham, il n'est pas bête. Qu'il a un esprit ouvert, qu'il connaît beaucoup de choses. Et c'est important. Il faut qu'il aura ce qu'on appelle connaissance générale. C'est vrai que, par exemple, on connaît l'enseignement des Chachamim, que chacun des tribus il avait une Théoma, une jumelle qui est née avec lui. On ne trouve pas leur nom dans la Torah. La seule fille de Yaakov qui a mentionné son nom, c'était Dinah. Mais sinon, tout le reste, on ne connaît pas leur nom. On ne sait pas ce qui les est arrivé. De même, parmi les filles des tribus elles-mêmes, on connaît qu'une seule, Serach. Celle-là, elle a fait vraiment une carrière particulière, donc on a mentionné son nom. Mais sur tout le reste, il n'y avait pas que des garçons, il y avait aussi des filles. On ne parle pas ni des femmes des tribus, ni des filles des tribus. Ils ne sont pas mentionnés. C'est quand même intéressant que Madame Manoach, elle trouve pas son nom, son nom ne se trouve pas dans le Tanakh. Surtout que tout le monde connaisse l'enseignement des Chachamim, marqué dans la Gemara Brachot Daf Samech Aleph, Manoach Am Haaretz Aya, Asher Alach Achar Ishto. Manoach il était Am Haaretz, ou Alach Achar Ishto. Donc, Pérouche Advarim, qui maintenant il était de Madriga, à l'Echora, moins que sa femme. Et Kachmash m'a passé tout un micraot. Comme l'histoire, il est raconté, l'ange qui est venu pour annoncer la naissance des Shimshon, il est apparu à la fin. Il n'est pas venu parler avec Manoach. Donc, si Manoach a marre et saïa, shalach acharishto, alors on se demande pourquoi Bémet. Pourquoi Bémet, on n'a pas trouvé nécessaire de dire son nom, si elle était plus grande que lui, ce qu'il y a caché ici. Mais, en tout cas, la Gemara, elle nous a amené au nom des Rav, le nom des Tzlalfonites, nom très spécial. Vayira, Malach Hashem et Laïcha. Vayomer Eléa, Ineina, Takara, Velo Yaladet. Voici une surprise. Toi, tu es Akara, loi à la dette. Et par contre, sache, le harit vers la dette belle. Tu vas tomber enceinte, mais tu vas enfanter un garçon. Tant il était voûte. Gamme enceinte, gamme garçon. Veata, Ishamrina, fais attention. Veal tishti yain vesheicha. Veal tochli koltame. L'ange, il a averti la femme qu'il ne boit pas de vin et qu'il ne va pas manger d'avoir tamé. Mais d'avoir tamé, elle demande qu'est-ce que c'est d'avoir tamé, d'expliquer les passouk qui plutôt qu'il est malach, il a interdit à la femme de manger quelque chose qui est vraiment tamé. Mais manachar, s'il s'agit de dvarim à sourim, d'aïn on est là toutes les fautes, comment est-ce qu'on peut y penser qu'elle s'est permise jusqu'à maintenant? Afilo l'échol choulin betahara, c'est pas chute qu'il a fait, dit le marjo. Enzor chleva. Enpen sheila. Et la maam, chouachim la gitch, d'avoir tamé, le assur le nazir. Alors, mazé, lama chronisé d'avoir tamé. Pourquoi on l'appelle d'avoir tamé? On explique le ben yuada. Car on voit bien que dans le comportement des nazirs, il y a quelque chose de particulier qui était dit, qu'il n'est pas dit des autres, ils sont une Torah. C'est Amrinan le Nézir à Schor Schor le Karma al Dikrav.
on dit au Nazir, va faire un tour. Éloigne-toi et ne t'approche pas à la vigne. On trouve la source de ce comportement justement dans l'histoire de Shimshon. Quand il est allé avec ses parents et ils ont passé à côté d'une vigne, Shimshon il a laissé ses parents prendre le chemin court et lui il est allé faire un détour. Et sur ce détour il a rencontré le cadavre de le lion qui n'était pas encore un cadavre. Et il a déchiré ce lion. Et après c'est le lion qui... Il a servi comme ruche pour les abeilles, qu'il a servi comme un objet de la divinette qui Shimshon il a posé comme question aux jeunes de Pelishtim. Demande la Gemara, mais où il se trouvait ses parents à ce moment-là, quand lui il a déchiré les lions. Dit la Gemara, c'était le moment dans lequel Shimshon il a fait le détour. D'ailleurs, qui de même qu'on s'est loin de quelque chose qu'il est tamé, qu'il est impur, pour ne pas le toucher, le Nazir, il a les chiouv, qui tout ce qu'il est interdit pour lui, il a l'obligation de s'éloigner, qu'il nous était d'avoir tamé. Et c'est pour ça qu'il l'ange, il a dit, Val tochli davar, Val tochli kol tamé. C'est pour ça qu'il appelle tamé. Donc, Bekitsour, le comportement des Nazir avec Dvarim à Assourim et Kimo à Touma. On n'a pas les chiouv, le machal, de faire un détour, ne pas passer à côté d'un restaurant non cachère. Mais les nazirs, par contre, il a le chiouf. La différence, il est très simple. C'est que les nazirs, il s'interdit des choses qui sont mutarim be'atzmutam. Et lui-même, il avait l'habitude de consommer. Et c'est pour ça qu'il faut s'éloigner tellement. On voit un zecher l'adavar dans le comportement des Bnei Israël avec Hametz be'Pessah. Parce qu'on a l'habitude avec le Hametz toute l'année. Alors à Pessah, on fait très très attention sur cela. Parce que, justement, on est habitué. Et Tosfot, il explique au début de Pessahim que c'est ça la raison que les Chachamim, ils ont fait le chiouf de faire biour, même si on fait bitoul, parce que ben, bitoul, c'est très beau, mais les maïs, on a tellement d'habitude avec des chametz qu'on n'est pas sûr si le bitoul va arriver à faire bitoul en vie des chametz. On va faire peut-être bitoul chametz, mais pas le bitoul en vie. Et dès que la personne il prend dans la main le chametz avec l'intention de le manger, il lui redemande de nouveau. Rachidout, chez nous à la maison, ma mère n'a pas accepté qu'on va dire Pessah le mot plein. Pessah, on doit l'appeler chametz. Je ne peux pas prononcer le mot lechem. C'est exclu. Je ne peux pas dire ça. Kinach harav yolad et ben. Là, c'est déjà une deuxième étape. Beitzem le malach, ici, il a l'air de dire qu'il est déjà enceinte. Alors, lui, il a dit qu'il sera enceinte, qu'il deviendra enceinte. Maintenant, on dit kinach harav. Yolad et ben, ou moral ou yale al rosho. Moral ou yale al rosho, de pashtout. Et on peut l'expliquer de deux manières. Mora, c'est une notion de pachad. Et mora, ça peut être aussi tard, les lames. Les lames, il ne va pas passer sur sa tête. Qui, nazir elokim yana ou inabete. Il sera un nazir depuis la matrice de sa mère. Et où yachel lo shia et Israël mi plishtim. Et lui, il sera le premier qui va arriver à sauver vraiment Israël via Tristi. Matama Isha va tomar l'Isha les mots. La femme, elle est venue, elle a raconté à son mari. Isha Elohim ba elai. Ou mare ou ki mare malacha Elohim nora meod. Velo shilti ou aïm iseu, ve tchmo lo igidli. C'est maintenant qu'elle se rend compte qu'il ne lui a même pas demandé comment il s'appelle, d'où il vient. Elle ne comprend rien. Mais elle a pensé que c'est un homme. Elle dit juste qu'il a l'air d'un ange. Voyez-moi, Nahar avait la levée de ma tante, Tishti, Aïm, Vesheikha, Val Tochli, Kol Touma, qui ne zirait le kimi yana, et n'a pas été un adieu moto. Mais c'est la personne, il n'a pas dit adieu moto. Lui, il a dit seulement mina beten, et elle, elle a ajouté adieu moto. Il y a beaucoup de diukim comme ça qu'il faut travailler, pour ça, il faut énormément de temps. Voyez-moi, Manoch, la chaîne. Manoch, il a fait une tfila. ויאמר בי אדוני איש האלוקים אשר שלחת יבוא נאוד אלינו ויורינו מה נעשה לנער היולד. למרות הקדוש ברוך הוא כי נבואה בנובו סת אבויה סת מסג'ה פה כי לרדי יון דטאי סקיף אופר דג'ה סקה סמפה לאימאז כי מנוח אלי תסתם איזה המארץ מן השוק
Parce que cette leçon de Vayetar, on le trouve dans la Torah concernant Yitzhak. Vayetar Yitzhak la Hashem l'enoch achishto. Et la Gemara, elle est d'oresh là-dessus qu'il y a deux abesouké d'af yudalet fichar mekomot. Ma'éter zé me'apechet atvoua le makom, af filatam jel tzadikim me'apechet mimidat arrogez le midat arrachamim. Donc on parle ici d'un koach exceptionnel de tfila qui veut renverser la situation. Et si les pasouk, il s'est servi de ce terme vayetar par rapport à Noach, ça donne l'impression qu'il n'est pas la personne qu'on avait l'habitude de voir. Surtout qu'il y a écrit ici Vaishma Elohim Bekol Manoach. Donc, il a prié, ça a été exaucé. C'est pas n'importe quoi. Au-delà de nous. Il a commencé à couper. Je ne crois pas, lorsqu'on est à la filote, c'est lié à la. Mais je barama à Zot, on dit, l'obicage qui a fait, 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 l'obicage pour envoyer les emails, c'est quoi ça exactement? C'est à la limite de la chutzpah, vous le voyez pas? Ouais. Non? C'est à la limite. Quand? Il y a une nuance qui est quoi? Comme vous l'avez dit au début, l'ange lui a voulu apparaître à l'homme, pas à la femme. Ça ne passe pas pour déprécier la femme, mais. C'est l'homme qui doit tout ce qui est serment et tout ce qui est devenir de l'enfant, c'est l'homme qui doit l'assumer. Si lui n'a pas ce message, il avait le message pour sa femme. C'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'il est chauviniste. Non, pas chauviniste. Non, pas chauviniste. Il n'est pas engagé vis-à-vis de cet acte. Comme un homme de famille doit être engagé. Mais ça lui voit. בקיצור, וישמע אלוקים בקול מנוח, ויבוא מלאך האלוקים עוד אל האישה, והיא יושבת בשדה, ומנוח אישה אין עמה. על הרבה נובעות, אין כותי הקדוש ברוך הוא אל האקזוסה, ולא תכותי לאדוני פתיקו עושי כל כפר. אז כדי נובע לפרסוני שפרזון דווקא, הכל מומו, אומר כי אלה שטרוטוסל דון לשום. Donc, va te maer à Isha, va ta rots, va ta gen l'Isha, va tomer et la, vine mira et la ya Isha sur baïom et la. Donc, c'est le même qu'il est là. Va yakom, va yelech manoach achre ishto. Manoach amar et sayar shalach achar ishto. Va yavo et la Isha, va yomer lo, a ta Isha sur divarta et la Isha. Va yomer ani, le Rav Chida a dit qu'il voulait lui piquer. Il a dit, c'est toi l'homme qui n'a pas avec qui parler, qui est avec une femme? Ou est la tsniout? Où est ta chassidut, ta irat shamaim? Moi je suis là, non, tu vois bien. Alors tu pouvais me parler, tu devais me parler. Ça se fait pas. En plus, dehors, sur les champs, tout seul, c'est quoi ça exactement? Vayomerani. Vayomer Manoach, ata yavo dvarecha. Alors maintenant tu me parles. Maïe mishpatana o maaseu. Alors de nouveau il lui dit, va y avoir malach Hashem Manoach, Mikola Shem Amarti et la Isha, tu sais merde. J'ai exactement le même message. Tout ce que j'ai dit à la femme, tu sais merde. Le monsieur Chochma il explique, tu sais merde à Perusso, parce que tu es là, alors je te dis toi aussi. Tu sais merde gamata. Parce qu'il y a jusqu'à là l'avertissement de ne pas boire et de s'éloigner de tout ce qu'il est tamé pour les menzirets et dit seulement à qui. À la femme, maintenant il le dit, « Asgamata tishamer ». Mais c'est le mot tishamer, elle peut s'expliquer, « Hi tishamer », et ça peut être aussi une « Tzivui le zachar benochar »,« Ata tishamer ». Parce que tu parles trop, tu fais trop d'histoires, alors maintenant tu rentres aussi dans les issues. « Mais kol asher etzem et gefen ayin lo tochal, ve yayin vishichar al teisht, ve kol tuma al tochal, kol asher tzivitia, tishmor, mi ata ». Tu rentres là-dedans.
Ben, il faut aussi comprendre. Pourquoi est-ce que l'ange n'a pas pu dire tout de suite à la femme, toi et ton mari, vous n'allez pas consommer ça, ça et ça. Il n'a pas dit. C'est maintenant qu'il lui dit. D'abord, je vais vous montrer un enseignement. Tout dans la Rizal, dans la parasha Eikev. La Rizal dans la parasha Eikev, il parle de la nourriture. De la nourriture comme la Rizal. Quelques venotes il faut y avoir quand on mange. Donc ça commence à partir des kavanotes de Netilat Yadayim, ensuite kavanotes de Amotsi, jusqu'au Maïm Achronim et Birkat Amazon. Et comme Ouvan, c'est même pas la peine que je vous dis qui ne comprend pas grand-chose de tout ce qu'il dit ici. Mais c'est juste pour avoir une idée. C'est comme ça. Qui donc, chaque achila, ça remonte au chet Adam Arishon. Et ça la sorte birur à ma'achal. Ma'achal le katov shebo et ma'achal le kara shebo. D'ailleurs, qui donc les gashmiut, matériel, il y a dans la nourriture ça qu'il a les vitamines, les minéraux, etc., qui le corps il absorbe. Il y a la partie déchets qui est rejetée par le corps. Alors, de même, des rouchniout, il y a aussi dans le mahal, la bonne partie et la mauvaise partie. Cette mélange entre les bons et les mauvais, il est le dérivé de la faute d'Adam Arishon. Et ça da tov vara. Kotz vedardar tatsmiach lach. ומעט כי דיבס אותה, משל לאדם שהיה הולך בלילה ומתיירה מן הקוצים ומן הדרדרים. זה עושה לקוץ ודרדר של אדם הראשון כמובן. באיזה יום הודי לאריזל, כי היה כוונה אונקור פלוזלווה, זה לכוונה עד לתיקון נשמות המגולגלים באוכל. זאת אומרת, הוא תראה עד הנשמות. איפה סבר כמו אופר פה סובה של נשמות כסתרו לדדו. Alors, il dit sur Abraham Vital qu'il va nous juste expliquer la première partie, d'ailleurs le tikkun de chet Adam Arishon, mais il ne peut pas nous enseigner les nefashot amigul galot parce que ça, il ne connaît pas, il n'a pas appris de son rav de l'Arizal. Alors, il nous enseigne la kavana, la petite. Hein? Tikkun Adam Arishon, c'est à col, le termisé. Et sache que cette kavana, elle n'est pas le top. Il y a mieux que ça. Il y a plus grand que ça, mais je te l'ai dit quand même. Vine, Manoach aya ochel be kavana zu shenitbaharata. Manoach, il a mangé dans cette kavana. Tikkun chet Adam Arishon. Amaretz, hein? וזהו שאמר הכתוב שם, והוא פלא. דהיינו, קונטילה דמודל לאונס, קונטית הפלא, לידי פלא. פלא אותיות א', כי כל כוונתו הייתה בסוד אות א'. דהיינו, תות לגרונדר דמנוח, זה לסוד אות א', שהיא בחוכמה, ולכן נגלה לו בבחינת פלא. ולהיות כוונה זו בלתי עליונה מאוד. זה פעלה כוונה לטופ דה כוונות.
לכן אמרו רזל מנוח המארצייה. כי החכם יש לו כוונה יותר גדולה מזו. ולכן אמר לו המלאך, אם תעצרני לא אוכל בלחמך. דהיינו, si déjà je mange, je mange pas chez toi, parce que toi avec tes כוונות, c'est pas à mon niveau. אבל באברהם נאמר, ויוכלו, אוכלים ממש. למה? קר לכוונות באברהם, יותר לכוונות העליונות. תיקון הנפשות המגולגלות. Ça donne une autre dimension sur toute cette histoire d'Achnasa Torchim, d'Abraham Avinu, fait rentrer des gens, il leur dit Baruchou. Abraham, il est aussi que Betikun Anefashot. Et même Betikun Anefashot, avec nous autres, Bamachal. Et ça, c'est un niveau qui marche bien même pour les Malachim. Et même Bazet Avin, chez Manoach. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi il s'appelle Manoach. Qui est Mila Mourkevet, même Vav, נונחת. והיא כללות הכוונות שנבאר אתה, שעולים ממבב ונונחת. ולהיותו מכוון בזה ועושה בירור הזה תמיד כל ימיו, שאת המארץ מנוח, תוצבי שקפו הכילמון זה ילפה לבירור כי יספל ממבב נונחת, לכן נקרא על שם זה מנוח. וזה בירור. בקיצור, il commence à expliquer les כוונות, et il explique les כוונות הקצרות. Alors, il y a למד בית שיניים, ושן בגימטריה, אחוריים דהוויה דיודים שיין בית שבחוכמה, ואחוריים דהוויה דסמך גימל שבבינה, וקוף פי דלת וקוף סמך רב גימטריה שן, כי השן תוכנת. ותכוון שלמד בית שיניים זה בציורות א', on a déjà parlé de ça une fois, שבא' יש 16. ואחר כך כוונות פרטיות, והם, ה' כוונות, והם, מ"ו, נ"ח, לחם, ד' ק' פ' ד', וזה עניינם. והנה תכוון ששתי הלחיים זה כך וכך וכך, ובלחי האחד יש א', וציורה י' וו', ובלחי התחתון יש ציורה י'. והיא רומזת באימא, ותכוון כי שני אלפים אלו יוד וו יוד ויוד הם בגימטריה מ"ו. ומ"ו זה מילוי ההוויה דהיין בית דה יודים. Alors avec ça on arrive à מ"ו. Et après il recommence le deuxième, c'est גימטריה של הנ"ח. Alors maintenant on s'est trouvé avec מ"ו d'un côté ונ"ח de l'autre côté. ועל דרך זה כוונות אחרות שמעתי ממורי זעל ושכחתים. Donc ça il se rappelle, mais il y a d'autres qu'il a oublié. Je vous ai pas dit tout, parce que de toute façon je comprends rien, mais je comprends une chose. כי מנוח il s'appelle מנוח, parce que כל ימיו אכל בכוונת האכילה הזאת. Un petit croissant, il est là, voilà. לא בסעודות שבת, או ערב יום כיפור, או יום טוב, או ראש חודש, כל ימיו. אכל עם הארץ הזה בכוונות האלה. ולאון זידי פרומה עם איפה לכוונות באברהם. בסדר? סיפת תוניבו. כסקי און קומפרון? קומפרון ריאן. זידי יפה לונטון לנה שיעור דף לגמרא סוטה. On n'a aucune avana dans l'histoire de Shimshon. Je l'ai dit au nom de Rav Nosson Lubart. Il faut savoir qu'il n'y en a aucune avana non plus dans l'histoire des Manoach. Le Midrash Rabba Parsha Yud Katouv que Manoach aya Milamedvav Tzadikim. Shalem Maolam Omed. C'est le pele. Je vois imedze, je vois halba kavanat achila zot kol yamav. Ma pele. Afrida et lui, quand on lit ça, on se rend compte aujourd'hui, chacun il se considère Rav, Chacham, Tzadik, Chassid. Qui on est à côté de cet Amaretz? En Bet HaMidrash, Belo Chidush. Je veux dire, un enseignement très bel que j'ai trouvé dans
le Sefer de Rabbi Emson Aipchitz qui s'appelle Ahavat Yonatan. Je n'ai pas trouvé une autre source, mais Neman Aleinu Rabbi Emson Aipchitz, on n'a pas besoin de plusieurs sources. Akdama. Ça c'est connu. Chachamim nous le disent. Valet Niyut à Torah nous explique sur la Mishnah de Masechet Avot, Asara Dorot, Madam Ad Noach, Asara Dorot, Minoach, Vad Avraham. Il s'agit ici d'un triangle. Ce sont trois essais. Adam, c'était le premier essai, évidemment. Il a tombé. Deuxième essai, c'est Noach. Il a aussi tombé. Et troisième essai, c'est Avraham Avinu. Bien. Adam, c'était un échec. Noach, c'était aussi un échec. Celui qui a commencé vraiment à corriger, à remettre les choses en place, c'était Avraham Avinu. On voit bien que ça tourne autour de l'Akhila. Parce que si l'Arizal nous a découvert ici qu'il y a la différence entre Noach, Manoach, Menoach, Minoach, le travail de cette Manoach Minoach, c'est Kavanot Achila Kol Yamav. C'est-à-dire qu'il a bien su qu'il doit corriger quelque chose, réparer quelque chose. Alors, Avraham, il a réussi. Même les anges, ils m'ont su Avraham. Baruchou le Mishacham de Michelin. Tikkun Anefashot. Tikkun Gilgul Anefashot, c'est Avraham Avinu qui l'a fait. Quand on regarde la faute d'Adam Arishon, tout le monde sait « Et Shachol Meyon Adam Arishon Gefenaya ». Adam Arishon, il a consommé des Gefen, des Yaïna Mishumar, Ba'anavav Mishishitime Bereshit. Il a consommé avant les temps, qu'il a doit. Yaïn Evi Yelala Laolam. C'est le vin qui l'a amené les pleurs dans le monde. Et c'est pour ça que les 10 générations entre Adam et Noach, ils dégradent. Jusqu'au moment des Bnei Elohim, va y avoir Bnei Elohim, El Bnot Adam, on ne comprend rien. Et là, c'est les Maboul qui arrivent. Et les Maboul, c'est évidemment, quand Makom Shatam Motse, Znout, Arayot, Andralamous, Yaba, Laolam. Les vins et la Arayot, ça marche ensemble. C'est très clair. Même dans la Gemara Sota, qui en fait actuellement, on voit sans arrêt ça. Lama, la Sota, Sota avec les Kherez, parce que Ish, Keta, est un Noef, Bekosot, Shel Yain. Alors maintenant, on va la faire boire Maïm Amarim, Bekli, Shel Kherez. Kol Aroe Sota, Bekilkula, Yazir Atzmo, Minayen. Alors, Adam Arishon qui l'a fauté avec Etz, chez Geffen Aya, et vie et la Olam. Et cette influence de cette Yain continue dans la génétique de ces 10 générations, jusqu'il amène les gens vers l'Andralamoussia chez l'Arayot. Et cette Andralamoussia chez l'Arayot, mais via l'Olam Maboul. Berotrim Chatou, dit la Gemara, Berotrim Nidenu. Rotrim, c'est la chaleur de l'Avera, c'est la Chamimout de l'Avera d'Arayot, qui l'a fait, qui avait une Maboul, qui n'était pas juste de la pluie, c'était aussi Mayanot Rotrim, toutes les sources souterraines thermales qu'ils ont montées pour leur cuire là-dedans. Et voici Noach, qu'il était censé d'être Tzadik Tamim Bedorotav, et de reconstruire le monde après le Maboul de Olam HaTikun, qu'est-ce qui a marqué? Vayachel Noach Isha Adama, Vayitakare. Noach, il sort de Maboul, et il commence à planter une vigne. Deuxième édition de la faute d'Adam Arishon. Vayesh, Vayishka.
Baletamem et Saïm Beyado, c'est marqué dans le Midrash qu'il les jours même qu'il a planté, les jours même les raisins ils ont poussé, les jours même il a fait les vins et ça y est, c'est parti. Vayachel Ruach Hashem lefamo, hu yachel le Hoshia et Israël. Vayachel Noach Isha Adama. Exactement le même terme. Dira de Nathan Aïdichis, si Noach réussirait à se retenir et ne pas faire ce qu'il a fait, ne pas planter, ne pas boire, ça devait être lui le père de Shimshon. Il devait amener au monde Shimshon à l'époque. Il a fauté. Il a perdu les routes d'amener au monde Shimshon. Bacham veserso. C'est marqué dans l'allemand. Ham, son fils, il a castré, il n'a plus la possibilité d'amener des enfants. Il n'y a plus que Shimshon. Et Shimshon devait attendre tout ce temps-là, jusqu'à ce que Noach, Minoach, va redescendre sur terre. Et cette fois-ci, il est né. Et on n'a pas le choix pour arriver à arranger les choses. Il y a un ange qui arrive. C'est peut-être une deuxième édition de Bnei Elohim de l'époque, je ne sais pas. Il descend sur terre. Et il lui dit, tout ce qui t'y fait, Kavanata Achila, c'est bien beau. Mais pour cet enfant, il faut absolument qu'il soit Nézir Elohim Mina Betem. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Où est-il aussi à Israël, Miyad Plishtin? Dagmar, elle demande déjà, parce qu'il était les premiers, on trouve déjà d'autres Shoftim qui se sont battus contre les Plishtim. Dagmar, elle répond là-dessus, où Khalash voit-on sur Avimelech? C'est la promesse qu'Abraham il a fait à Avimelech qui était rompue. Une tishkor, vous vous rappelez, li, le nini ou le nerdi. Alors de nouveau, on trouve ici Abraham avec une promesse. Vous voyez, Shimshon, il est là pour prendre sa revanche personnelle des Plishtim, qui sont les descendants de Ham, qui l'a empêché son arrivée au monde à l'époque. Où Echel le Hoshia et Israël miat Plishtim. Vatachel Ruach Hashem le Famo, Vayachel Noach Ishadar. Et c'est pour ça qu'il est là. Et c'est ça qu'il cherche à faire. Toute cette histoire de la femme de Manoach, Akara, vous voyez, les notions de Akara, de Akarut, a commencé aussi à cause de la faute d'Adam Arishon. Parce que la Gemara dit qu'avant la faute, Alou la mitash naïm viardou arba'a. Il n'y avait pas ni grossesse, ni accouchement, c'était automatique. Après, la faute est marquée Arba Arbe Itzvonech Veeronech. Arba Arbe Itzvonech Veeronech. Eronech, c'est la grossesse, donc c'est déjà une année, 9 mois, avec tout ce que ça représente. Mais Itzvonech, c'est la tristesse. Quelle tristesse qu'il y a des femmes stériles. La preuve. Dit Rabbi Yosef Avichitz, qui après Matan Torah a marqué, Lo yevecha akar va akara. Lama, parce qu'au moment de Matan Torah a marqué, Nistalka zuha matan. Nistalka zuha matan. Puis ils ont revenu au niveau d'Adam avant la faute, et à ce moment-là, il n'y a plus de place pour akara. Il n'y a pas d'akara. Il sort de là. Qui le fait qu'il y a marqué ici Isha, Akara, Loyalada, signifie qu'il y en est de nouveau, avec la faute de qui? D'Adam Arishon. Et cette femme, dit Rabbi Yosef Avichitz, elle est le Gilgul de Chava. Tzlalfonit, c'est Tzel Pinat. Tzel, c'est une version Netzal, quelque chose qui est dérivé. Pinat, c'est parce que Pina veut dire les choses, la fondation, comme Evena Pina.
Evenapina, c'est la première pierre. La première pierre. Et Chava, elle était justement la première pierre des membres. Il amène la sonde dans l'Yerushalmi, mais je n'ai pas trouvé dans l'Yerushalmi, je n'ai pas trouvé encore, alors Blineder, si je trouve, je vous dirai. En compagnie, cette Selpinat, qui est le Gilgul de Chava, elle se rejoindre à Manoach Minoach, et les deux sont censés d'amener au monde un enfant qui, avec sa force et sa puissance, il va être capable d'effacer les plishtim et de corriger la faute de quoi ? D'Adam Arishon. Et cette fois-ci, il va faire sorte qui sera l'opposé de la faute. Parce que dans la faute, c'est quoi ? Il y a marqué dans Chazal en Lachon, « J'anachash ba'al chava, v'etil bazu hama. » Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas le sujet. Shimshon, il fait exactement dans le sens contraire. Ça veut dire qu'il va chez le Plishtim et il trouve là-bas des femmes qu'il sent, qui sont justement les Tikkun HaNefashot HaMegulgalot. Il va les enlever des Plishtim et il va tuer le reste. Et les Tikkun de Shimshon et les Kilkul de Shimshon et les Boto d'Avar, parce que l'Agma a dit dans Sota d'Afiut justement, Vezarok et Nachal Shotef, ça veut dire qu'il avait une sorte de tendance de Kilkul exactement comme le Dor HaMabul. Et quand même, il était censé de les réparer, de les corriger. Et pourquoi ça n'a pas marché, en fin de compte, c'est une autre question. Mais on reste avec l'idée chez elle, dans le film Sagab et Maasé Shimshon. Et aujourd'hui, on a découvert chez elle, dans Sagab et Maasé Manoach, et l'homme et Maasé Ishto. Et la marèche de l'époque était aujourd'hui le plus grand tzaddik. C'est évident. Et nous, les plus grands tzaddikim parmi nous aujourd'hui, ils n'arrivent même pas au chevet des Amaretz de l'époque. Et ça, c'est le principe de l'étude des Nevi'im, qu'il faut toujours se rappeler qu'une lecture, deuxième lecture, troisième lecture, c'est jamais assez. Parce que juste qu'on n'arrive pas à décoder, à creuser, à trouver ce qui se cache en dessous de tout ça, on pense qu'on a compris, mais on n'a rien compris. Et Shimshon, c'est l'exemple, parce que chez les gens, on lui sonde comme une sorte d'Hercule, d'une image mythologique, d'un héros, d'un géant, etc., etc. Et ça n'a rien à faire avec ce qu'il nous envoie dans la Perek des Tanakh. Juste des points, on trouve dans la Gemara, Shimshon Be'inav Chata. Et c'est de nouveau une sorte de répétition de la faute des Bnei Elohim vaïr ou et Bnot Adam. Donc il était censé d'apprendre de là qu'il ne faut pas le faire et il n'a pas appris. Et le deuxième point, c'est que la taille de Shimshon, qui la Gemara, elle nous parle de lui, qu'il avait 60 amotes. Après les explications de Bnei Yehuda sur place, mais ça reste quand même évident qu'il avait une taille énorme. Et il s'explique très bien si on va dire qu'Ibetsem, cet homme, il devait être né immédiatement après Dor HaMabul, et c'était, comme tout le monde sait, des géants, comme la Gemara nous raconte, qui disaient qu'ils vont mettre leurs mains en face des chiens, ils ne vont pas laisser la pluie tomber, etc., etc. Et la Gemara, elle ne prend pas ça comme des exagérations. La Gemara dit qu'il est contraire, s'il n'y avait pas les Mahayanot Arotrim, ils étaient capables de les faire, de mettre l'ouchot sur Matechet Barakia. Donc Shimshon, il fait partie de cette génération, c'est pour ça qu'elle a une taille exceptionnelle.